Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Micro-K8S. Dans cette deuxième vidéo dédiée à Micro-K8S, on va voir un petit peu comment se mettre en place avec Micro-K8S, notamment le certificat au début, et puis également activer le dashboard, l'extension dashboard. Donc on n'a pas besoin d'installer nous-mêmes le dashboard, il y a juste à activer l'extension, faire une petite manip, et on a accès au dashboard. Donc quelque chose de simple, ça va être court et ça va être rapide. Alors, du coup, on va commencer, on va repartir de notre micro K8S, pour l'instant qui est un master worker finalement en même temps. Donc la commande, on a donc notre micro K8S kubectl getNode. Donc là, ça nous permet d'avoir les éléments. On peut se créer un alias, donc on avait vu key, donc pour par exemple kubectl habituellement. Et on peut reprendre le micro K8S kubectl, du coup ce qui nous permet de bypasser assez rapidement et faire un kubectl get pods. Et là on s'aperçoit qu'on a notre pod qu'on avait lancé précédemment. Donc là parfait. Donc on va s'intéresser à l'activation maintenant, quoi, d'abord à la mise en place d'un certificat. Donc qu'est-ce que l'on va faire pour mettre en place ce certificat? Alors c'est pas config ici, je m'aperçois de ça. Donc première chose, on va créer. Alors je vais peut-être d'ailleurs le supprimer parce que je pense qu'il est déjà créé, peut-être. Sudo rm-rf2hop.cube. Voilà. Et donc nous, on va aller créer notre répertoire.cube où on stocke les certificats et configurations de nos connexions à nos clusters cube. Donc on va faire un mkdir-p et du coup dedans on a besoin de remplir notre fichier de configuration. Donc ça c'est quelque chose qui est important, nécessaire. Alors une manière de faire, c'est de habituellement dans cube, c'est de faire un kubectl config view et tirer tirer raw et on récupère nos éléments. Donc nous, bien sûr, tout ça, on doit le faire dans Micro-K8S. Donc, on va faire ceci dans Micro-K8S avec cette espèce de wrapper finalement. Et si on le fait, vous voyez que ça nous ressort directement le fichier config. Donc, on va aller éditer donc notre home. On va aller éditer le point cube et on va créer un fichier de config à ce niveau-là. Voilà. Et donc désormais, si j'utilise kubectl sur ma machine, alors il est déjà installé, mais si je fais un kubectl getNode sans passer par l'alias, ça veut dire que normalement j'aurais dû passer par le micro K8S, le wrapper au-dessus. Là, j'arrive à taper dessus puisqu'en fait j'ai bien mon bon fichier de certificat. Alors là, on utilise Vagrant aussi, et donc du coup, on peut s'amuser à faire la même chose que ceci, mais on va le faire directement dans le répertoire Vagrant. Et on va créer un fichier qui va s'appeler microconfig par exemple. Hop là, qu'est-ce que j'ai bricolé? Microconfig. Hop là, oui, bien sûr. Voilà, donc on est à la racine dans la machine. Et donc si j'ouvre mon laptop et que je suis à l'endroit où il y a mon Vagrant file, alors je me retrouve avec plusieurs configs qu'on va d'ailleurs supprimer. De config, de kubeconfig, voilà, à force de faire des petits tests. Et donc désormais on se retrouve avec notre micro-config qui correspond à ce qu'on a à l'intérieur des VM. Donc ce répertoire-là est partagé entre toutes les VM en plus, et on le retrouve à l'extérieur, à l'endroit où on se situe dans notre Vagrant file. Du coup, moi j'ai toujours mon kubectl qui est installé sur mon laptop, et donc je vais pouvoir faire un kube. Hop là. Ah oui, alors c'est pas la bonne option, on va dézoomer un petit peu. Kubectl tiret tiret kube config config et on va lui spécifier notre fichier micro config get nodes. Alors forcément ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tout simplement on doit éditer ce fichier. Alors soit on l'édite à l'intérieur, soit on l'édite à l'extérieur. On peut le faire à l'intérieur par exemple ici. Et on va aller indiquer l'IP de notre nœud qui va répondre à l'API. Donc là, en l'occurrence, ça va être hop, donc ou une VIP, hein, si on avait une VIP devant pour bien faire les choses et avoir un peu de HA. Donc 168.15.170 dans mon cas de figure. Donc je vais enregistrer ça. Je vais retourner ensuite
ici, et comme ma VM bien sûr est accessible par mon laptop, si je lance, voilà, désormais j'ai quelque chose qui est bon, et si je fais un O-Wide, je retrouve bien l'IP, vous voyez que tout ça tourne sur du container D aussi, on l'a pas vu jusqu'ici, on est sur du Debian Bullseye pour ce qui est de l'OS de la VM, et on a bien cette IP qui traîne avec un cluster qui est en 1.22.4. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, maintenant, nous ce que l'on veut faire, c'est utiliser du dashboard du coup. Donc on va faire on va installer le dashboard donc micro K8S enable dashboard. Voilà, comme ceci. Alors je l'ai déjà installé, ok, bon c'est pas grave. Donc là il est. Alors on peut peut-être le. Voilà, on va le disable. Disable dashboard. Hop, vous voyez, donc du coup, quand on disable, c'est ça qui est bien, c'est qu'on enable ou disable, il va gérer toutes les ressources qui sont attachées. Vous voyez que là, il a supprimé tous ces éléments-là. On va enable de nouveau. Hop, voilà. Donc c'est parti. Et du coup, on va regarder. Hop, kubectl get pod. -n, je pense qu'on est dans kubesystem. Voilà, dans kubesystem, on retrouve notre dashboard qui est présent. Donc, là, ce qu'on n'a plus qu'à faire, c'est faire un port forward sur notre micro K8S ou notre kubectl à partir de notre VM. On pourrait le faire de notre machine également. Néanmoins, on va le faire de notre VM pour pouvoir accéder à notre dashboard. Alors, c'est pas forcément la solution la plus pérenne. Hein. Il y a quand même des choses beaucoup plus propres que ça. Soit on peut passer par un ingress. Là, en l'occurrence, on a Calico, donc on pourrait faire aussi des choses d'un point de vue route. Là, en l'occurrence, donc du coup, nous, première chose, de toute façon, quoi qu'il arrive, il va nous falloir récupérer le default token pour pouvoir se connecter à notre dashboard. Donc, si je fais un kubectl kubectl get secret dans le namespace kube-system, je retrouve normalement hop, un default quelque part. Est-ce qu'il est. Voilà, default token ici. Et donc pour le récupérer facilement, en fait, sans trop se poser de questions, on peut le faire tout simplement avec un pipe. On va faire un hook. Et moi j'aime beaucoup le hook comme ceci parce que c'est très simple. Donc on va faire un print de $1 juste pour récupérer au moins le nom du token. Et donc pour faire ça, bah on va lui dire tout simplement qu'on veut que $1, on récupère tout ce qui contient quelque chose qui contient default token. Voilà, donc ça on va dire que ça c'est notre token qui est égal à ceci. Donc ça prend cette valeur là. Voilà. Donc là si je fais un echo de $token, parfait, joli. Maintenant ce qu'il me faut c'est récupérer la valeur qui est dedans. Alors il y a différentes méthodes pour accéder à la valeur. On pourrait faire un describe directement, kubectl describe de secret qui se nomme $token et qui est dans n cube system comme ceci, et vous voyez que là on a le token qui est présent. Là il est présent en clair, pas encodé quoi, en tout cas. Et donc du coup l'autre méthode sinon que je préfère, kubectl get secret de $token, on s'assure d'être dans cube system toujours. Donc si on fait comme ceci, on va retrouver donc avec notre output en format YAML, on va retrouver notre contenu, sauf que là vous voyez on a le double égal, donc il est encodé. Donc on va utiliser le JSON path. Mince, j'ai un trou. Le JSON path, oui c'est du O bien sûr. Hop là, JSON path égal. Et là on va pouvoir mentionner le chemin que l'on veut. Donc forcément déjà, c'est dans data. Et dans data, ça se situe, alors c'est pas... Voilà, c'est token, simplement. Dans data, on va récupérer le chemin, quoi, la clé token.
Et bien sûr, ça, on va le décoder. Donc, on utilise base 64-d comme décode. D comme décode, ouais, voilà. D comme décode, et vous voyez qu'on retrouve dog A à la fin, qui était ce qu'on avait dans le describe. Normalement, où est-ce qu'il est, get secret, voilà, ici on l'avait en clair. Donc ça c'est parfait, et donc du coup on va pouvoir faire notre port forward de notre dashboard. Donc pour ça, le port forward, bien sûr, on le fait sur le service. Si on a le micro K8S, soit on passe par micro K8S, moi j'ai mon alias qui me permet de passer directement par la commande kubectl, et on lui rajoute le fait que l'on bind ça, on va écouter toutes les interfaces de la machine. Pas juste uniquement par défaut, c'est le 127.0.1. Nous, en l'occurrence, on veut écouter toutes les interfaces de notre VM. Donc, on va se connecter dessus. Notre VM, donc du coup, on va ouvrir notre dashboard. Donc là, on est sur le port 10443. Donc, on va ouvrir, voilà. 192.168.15.170 sur le port 10443 et on est en HTTPS. Donc on doit être sur du auto-signé, voilà. Et on accepte. Du coup, nous, on a une authentification non pas par le kubeconfig, qu'on pourrait d'ailleurs aller choisir puisqu'on l'a juste à côté, mais par le token. Donc par le token, on va le signer. On ne va pas sauvegarder ça. Unauthorize. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien copié le bon token? Hop. Ah, j'ai le Vagrant qui est juste derrière qui s'est copié. Et j'ai l'impression que j'ai des caractères qui se tronquent. Voilà. Donc, du coup, on arrive sur le dashboard. Et voilà, donc on retrouve ici nos différents namespaces, bon, on n'en a pas beaucoup. Dans le déploiement, ben, on retrouve forcément notre petit déploiement MyEngines qu'on a déployé ici, on voit sa mémoire. Donc rien de nouveau, hein, on retrouve les comptes jobs, etc., etc. Donc on a bien notre dashboard cube. Et comme je vous le montrais tout à l'heure, donc il est venu rapidement, mais on peut le faire repartir assez rapidement. Donc vous voyez qu'on est avec du Calico également. Et l'autre élément qui est aussi intéressant à regarder, je n'ai pas évoqué jusque là, donc là on va arrêter notre port forward, on n'a pas besoin. Si on fait un micro K8S status, il y a un élément qui est important, c'est que vous voyez ici, on peut savoir quel est le master qui porte les données. Donc ça c'est le principe, donc on peut en avoir plusieurs, là en l'occurrence on n'en a qu'un, et là en l'occurrence on peut voir rapidement quelle est la machine qui est considérée finalement comme master, même si on a lancé quelque chose qui est un peu hybride entre un contrôleur et un worker, puisque si on fait un kubectl get node, on va le retrouver ici en statut ready. Là, il porte le nom de master parce que j'ai indiqué master, mais vous avez vu qu'on a pu déployer des pods, un pod dessus. Donc, du coup, il accepte bien nos pods. Il n'y a pas de taint ou ce genre de choses qui permettent d'éviter d'installer quoi que ce soit dessus. Donc voilà, on verra dans la prochaine vidéo comment on va faire pour rajouter un nœud à ce cluster. Vous allez voir que ça va être extrêmement simple et rapide. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur XavKey.